La Logan est la citadine la plus abordable du marché. Elle revient sous une toute nouvelle mouture avec plusieurs changements cosmétiques et techniques. C'est cette même version rafraîchie que nous avons eu l'occasion d'essayer sur les routes de Split en Croatie. La nouvelle Logan est disponible en motorisation 1 litre de essence de 75 chevaux ou 1 litre 5 DCI de 85 chevaux. Ses tarifs débutent à 74 910 dirhams pour la Logan essence d'entrée de gamme. La Logan la plus chère se négocie à 121 900 dirhams en diesel dans sa finition lauréate. La nouvelle Logan inaugure de nouvelles optiques à LED livrées en série, ainsi que des boucliers, une calandre entièrement redessinée. Afin de faire perdurer le succès de son best-seller dans nos contrées, Dacia s'est aussi penchée sur l'habitacle. Le volant est inédit. Les plaquages de la console centrale et des commandes de vitres électriques sont désormais logés sur les portières, augmentant de fait la sensation de qualité perçue. La boîte à gants est désormais illuminée et la Logan reçoit une caméra de recul. Sous le capot, la Logan s'offre aussi du neuf, en changeant de moteur essence. Ainsi, la Roumaine s'équipe d'un inédit 3 cylindres SCCE de 75 chevaux, doté d'une double distribution variable et d'une pompe à huile à débit régulé. À la conduite et avec cette motorisation, on remarque tout de suite l'absence de vibrations conjuguées à une sonorité sympathique. La Logan séduit également grâce à une suspension gommant efficacement les défauts de chaussée. La boîte 5 vitesses offre une commande agréable. Enfin, sachez que la nouvelle Logan sera produite à l'usine de Tanger, à celle de Somaka à Casablanca. Le modèle est déjà disponible dans tous les showrooms de la marque Dacia.